qu'il y a un projet d'appui aux filets sociaux, communément appelé Merankabandi, qui est en cours dans notre province de Gitega. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans notre province seulement, puisque le projet se trouve dans 4 provinces. Nous avons eu cette opportunité pour que le projet soit dans notre province de Gitega et nous avons enregistré un pas très important dans le développement de la population et surtout la population la plus pauvre. Nous savons que le projet appuie les gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas de moyens pour survivre. À l'arrivée de ce projet, nous avons commencé à voir que les bénéficiaires ont changé d'abord de comportement, puisque le développement commence par le changement de mentalité, le changement de comportement, puisque pour le moment, ils savent comment utiliser les fonds qu'on trouve pour pouvoir se développer. Le projet vise l'amélioration de la santé. Là, ça veut dire que les ménages doivent avoir à manger en quantité et en qualité suffisante, mais également les ménages doivent avoir un abri, mais aussi la propreté. Et nous voyons que tous les bénéficiaires ont totalement changé de comportement, ils ont changé d'habitude pour dire qu'il y a eu une amélioration. Notre ton point est que ces bénéficiaires vont se développer, puisque même si le projet a commencé en septembre 2017, les activités complémentaires qui visent aux transformations effectives du comportement de ces bénéficiaires, c'est-à-dire comment on va utiliser les fonds, puisque nous savons que parmi les fonds qu'ils ont, il y a une partie qui doit être utilisée dans la vie courante, mais aussi il y a une autre partie qui doit être utilisée comme un capital pour dire que les bénéficiaires doivent s'adonner à des activités de développement, à des activités génératrices de revenus. Et d'ailleurs, ils ont déjà commencé à faire le petit bétail. Il y a ceux qui ont commencé à faire le petit commerce et d'autres activités génératrices de revenus, et pour dire que d'ici peu, nous allons avoir parmi ces bénéficiaires des gens qui vont émerger jusqu'à avoir même des grands commerçants, pourquoi pas. Puisque s'ils ont les fonds et qu'ils ont appris comment utiliser ces fonds, nous savons que ce projet va aboutir, puisque nous voulons que les bénéficiaires puissent sortir de cette pauvreté, mais aller émerger, être comme d'autres qui ont une vie moyennement aisée, mais pourquoi pas avoir une vie très aisée. Donc nous avons l'espoir. Ce qui le montre, c'est que même si on arrive dans certains ménages des bénéficiaires, on réalise qu'il y a vraiment une amélioration positive.